Joe Lopez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Nasdaq et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Joe Lopez, pour ceux qui connaissent, c'est le vrai la chaîne, le vrai des vrais. Et en plus il se lance sur Snapchat. On est là les gars. On l'a fait mutuellement, la castagne. Joe Lopez, pour ceux... Hey, je suis en interview avec un anglais. How are you my friend? At good, yeah. Me good aussi mon frère. Great. Et lui, how are you? Comment tu t'appelles? Nassim. T'es un Afghan? Je suis Afghan, premier TikToker influenceur afghan en France, les gars. Wow, it's amazing, it's amazing. Allez, ils vont poser des questions et moi je vais répondre. Et je vais mentir. J'adore mentir. J'adore mentir dans les interviews. Ah, regardez, c'est une machine pour compter les billets. Wesh, wesh, wesh. Hey, lui c'est mon cousin la HNT, mon vrai cousin germain. Mais à chaque fois il me ramène des plans pour billets. Tu veux que j'achète une machine à compter les billets? Regarde ce qu'il a fait de mes billets. C'est là que j'étais à Nasdaq, je crois qu'il y a un problème là, c'est... Mais comment ça je crois qu'il y a un problème? Tu la vends combien? 200. Tu veux que j'achète ça 200? C'est même pas foutu de compter réellement des billets. Il y a un réglage. Je vais retenter pour voir si elle fonctionne réellement. Wesh. Ah vas-y, c'est de la merde, la tête de ma mère, je te l'achète pas. Je vais la régler, t'inquiète. Mais comment ça, tu vas la régler? Tous les billets sont en train de tomber par terre. Je vais retenter pour voir si elle fonctionne réellement. Wesh. Ah vas-y. Eh, hey, voilà, je vais... Oh Moussa. Regardez. Oh, vous souvenez, il y a 2-3 jours, Michel, il m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné 3000 euros pour le mariage à son fils. Il a acheté un cross, ce fils de pute. Je dis bien ce fils de pute. Pourquoi tu m'as demandé 3000 euros, Michel? Pour le mariage? C'est normal que ton fils il est parti acheter une motocross? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah écoute, que toi tu te fasses maltraiter par ton gosse, c'est ton problème Michel. Mais moi on prend pas pour un con. Voilà, on prend pas pour un con. La moto, elle dort chez moi. La moto, tu peux descendre, s'il te plaît, la moto elle dort chez moi. Vas-y, dégage, la moto elle dort pas ici. Elle est pas à toi la moto. Demain j'ai envie de la donner à un inconnu. Vas-y, dégage. Allez, la moto elle va dans le Kangoo. Ça s'appelle du vol. Là, c'est comme si tu m'avais volé 3000 euros. La moto, elle n'est pas à toi. La moto, elle est à moi. Elle rentre dans le Kangoo et ça va la déposer chez moi. Et demain, je vais la mettre sur le bon coin. Je vais la vendre. Demain, cette moto, elle est à vendre. À très bon prix. Wesh. Hey, t'as une dent, elle est en train de pousser sur la gencive. Comme ça, depuis que je suis petit, c'est des dents de chien. Des dents de chien? Wesh. Hey, t'as une dent, elle est en train de pousser sur la gencive. Comme ça, depuis que je suis petit, c'est des dents. Eh, hey, mais dans ce quartier, vous êtes tous en train de péter les plans. Et y'a personne pour lui dire que se balader avec un couteau, c'est pas bien. Arrête. Hors de ma vue. Hors de ma vue, je te dis. Je te donne plus d'argent. T'es encore revenu? Je suis revenu, je suis pas revenu les mains vides, ma sœur. Ce que je suis en train de voir, putain. Ce que j'aime chez la Casa des Pas Chers, c'est qu'ils innovent tout le temps. Et c'est pour ça que j'aime collaborer. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, ma sœur, l'autre fois, on leur a fait un pack découverte. Ils ont kiffé ta communauté, ils ont fait que me remercier. Il y a eu 3 gagnants qui ont gagné des lots de parfums. C'était juste incroyable. Mais je me suis dit, faut monter la barre plus haut. Plus haut? Imagine-toi juste que pour 24,99€ seulement, un bois, un bac à rhum, un parfum mystère, 50 ml fabriqué en France. Ouais. Et en plus de tout ça, tu peux recevoir ça dans ta boîte aux lettres avec un iPhone 15 Pro Max. En gros, si je commande un parfum, j'ai la chance de recevoir un iPhone, un casque. Ah, 3 pour 24 euros. 3 parfums. 24 euros, je reçois 3 parfums et j'ai peut-être la chance de repartir avec une PlayStation 5, des AirPods ou un iPhone. Un Mac. Des écouteurs, il y a tout ce qu'il faut en cadeau. 24 euros, tu repars avec 3 parfums de qualité fabriqués en France et peut-être un iPhone, une Play, un MacBook. Bref, j'en passe. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je mets le site internet, il saute parce que vous êtes trop. Et la chaîne, pour ceux qui veulent se lancer dans la vente de parfums, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Tu peux toucher le parfum. Il y a plein de gens qui se sont lancés avec nous en lot et qu'ils ont CP.
super. On a les parfums de Dubaï les moins chers d'Europe. On a les élixirs privés les moins chers d'Europe. J'arrête de parler. Swipe up la story. Et tu viens d'où, frérot? Agen. Tu viens d'Agen? Ouais. Elle est belle, la moto? Il y a combien en tout? 2,3. 2300 euros? Ouais. Les bons comptes sont les bons amis, hein. Merci. Voilà. Eh ben, la moto, elle est à toi, mon frère. Merci. Allez, tu peux la prendre, tu peux directement. Ah, merci. Toujours le stylo qui va avec. Allez, mon frère, hein, profite bien. J'espère que tu vas bien. J'ai vendu la moto 2300 euros. Et je vous ai donné 3000 euros. J'ai perdu 700 euros et t'es encore en train de me faire le triste. Je vais te foutre un coup de tête et je vais te rentrer ton nez. J'ai vendu la moto 2300 euros. Eh, mais c'est un pilote de fou! Eh, voilà que c'est un pilote de fou! Eh, mais c'est un pilote de fou! Eh, je sais pas si vous l'avez reconnu la chaîne, mais elle, c'est Linda. Et Bahraou, à l'époque, il avait date avec elle. Et elle te répondait plus trop. Elle me répondait pas, je l'appelais plusieurs fois, je lui demandais de ses nouvelles. Ah, t'as jamais vraiment calculé? Jamais. Mais là, 2 ans après, bizarrement, elle me demande des nouvelles. Peut-être j'ai moins chance. Ça veut dire là, attends, là, t'es revenu au quartier? Ouais. Pour aller lui parler? Bah ouais, parce que je pense qu'il y a... Tu veux que je m'en occupe? S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Tu veux que je m'en occupe? Ouais, s'il te plaît, mon frère. T'as vu à qui est venu au quartier pour toi? Il y a Bahraou. Oh, il est venu de loin pour te voir. Ouais, j'ai vu ça. Mais il est trop timide pour venir te parler. Et pourquoi? Et il m'a demandé de te demander si tu le trouvais mignon. Ouais. Non, sérieusement. Bah oui, pourquoi? Il a glow up. Il a glow up? Ouais. Et demain, pas ce soir, il a dit demain, il veut te parler. Ok. T'acceptes? Bah oui, pourquoi pas. Je vais lui montrer la vidéo de suite. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est quoi tout ça? C'est de l'or mélangé avec de l'or. C'est du l'or? Eh oui, cousin. Mais qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est tombé de camion. Wesh. Elle est trop lourde, 100 grammes, oh. Tout le monde dit que ouais, Nasdaq, il donne pas de sous, il donne pas de sous, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. On va voir tout à l'heure. C'est lui qui m'a donné une bague en or. Tu l'adores, tu m'as dit, non? Ah, c'est lui, ça y est. Et voilà, on sait à quoi va ressembler le fiston de Nasdaq. Inch'Allah, si tout va bien, voilà. Donc elle va pas tarder à accoucher Morgan. Et il a partagé Joe. Il a partagé Joe Lopez, c'est incroyable, Joe Lopez. Donc Joe Lopez qui a beaucoup buzzé à une époque, voilà, entre embrouilles, entre familles. Voilà, tu sais, quand les gitans, là, ils se sont mis torse nu, la compte t'es mort, tout ça. Ça avait beaucoup buzzé à l'époque, quand ils se mettent torse nu, ils se tapent sur le torse, tout ça. Donc Joe Lopez de retour sur les réseaux, sur TikTok et Snapchat. Donc il est très connu, voilà, après son passé, voilà, il a eu beaucoup de bagarres, voilà, pour défendre sa famille, tout ça. Il a tué quelqu'un à 15 ans, il a fait beaucoup de prison et il a dit avoir regretté, voilà, il y a un reportage sur RMC là-dessus. Il a dit avoir regretté de ne pas avoir vu ses enfants grandir, les bagarres, les coups de couteau, tout ça. Et il a toujours prôné, voilà, le respect des valeurs, tout ça. Voilà, tout en étant dur à cuire et en ne se laissant pas faire. Et quant à Mousse, je trouve que Nasdaq a été un peu dur. Ok, Mousse, il a déconné. On est tous d'accord là-dessus, il a déconné. Les 3000, c'était pour le mariage et il achète une motocross avec. Donc, il a déconné. Mais Nasdaq ne doit pas oublier aussi que Mousse fait partie des premiers de l'aventure avec Michel. Les premiers de l'aventure. Qu'ils ont participé à faire monter le snap. Hein. Et je pense que Mousse a fait également une connerie. Donc, je pense que pour se faire pardonner, ben, il devrait participer plus au snap. Quoi. Il devrait participer plus au snap, tout ça. Voilà. C'est que mon avis personnel.
Voilà. Et après, Joe Lopez, là, il a dit, ouais, vous dites que Nasdaq, il donne pas des sous, tout ça, tout ça. Moi, j'étais en sous-marin à Saint-Jacques. J'étais en sous-marin à Saint-Jacques. Et je jure que des fois, il donne des sous à des gens, il les filme même pas. Il le filme même pas. Des fois, il y a des gens qui connaissent, qui lui demandent et il leur donne. Et voilà, il n'y a qu'une partie qui filme, on va dire, et une autre partie qui ne filme pas. Voilà, j'étais un peu en sous-marin à Saint-Jacques. Voilà, maintenant, ça va être un peu plus difficile d'être en sous-marin à Saint-Jacques. Maintenant, je connais un peu trop de monde. Je connais un peu plus de monde maintenant. Voilà, voilà. Donc, je crois que c'est tout pour la story du jour. Ah, j'allais oublier aussi. Bachaou, Bachaou, Béou, qui se met finalement en couple avec Linda. Donc, ouais, je me rappelle à l'époque, il y avait Bachaou et Linda qui passaient souvent sur le snap de Nasdas. Voilà, il y avait les courses de fauteuils roulants, tout ça. Non, je crois que c'est une bonne chose qu'ils se mettent ensemble vu qu'ils ont des points en commun, tout ça, tout ça. Donc, ils auraient dû même rester en couple à l'époque, je pense. Mais il est jamais trop tard, comme on dit. Il est jamais trop tard. Donc, voilà pour les actus du jour de la team Nasdas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.